Y'en a combien de Hunter? Un ou deux? Waouh, qu'est-ce qu'il est gros. Tiens, non, il y en a deux. Merde, ok. Tada! Bah du coup on aura même pas testé si le taser est bien sur eux. C'est surtout parce qu'on avait on a des grenades en réserve. On en a encore deux, je crois. Ouais, il m'a fait Sérieusement? peur ce coup. Mais FPS! Ouais, même de les taser et de faire la grenade, t'as l'impression que ça fait aucun dégât en fait. Ça les stun. En gros, ça tue leur première barre de vie, mais après, ils sont. Après, quand ils se relèvent, ils sont full vie quoi. Ah, c'est chiant. Ça manque vraiment le lance-flamme. Hein. Ah merde, c'est pas une boîte. Ça manque vraiment, vraiment le lance-flamme. Pourquoi rejouer à Destiny 2 si tu te fais chier? Si tu te fais chier dessus. Pourquoi le réinstaller, surtout les 80 gigas quoi? Pense un peu à ton disque dur quand même. Il a peut-être pas envie de se taper 80 gigas. Ça. Alors attends, est-ce que je vais m'en rappeler? Ah, mais non, on pourra le jeter de toute façon. On va prendre la capsule, la cartouche. On a le couteau, on va prendre une grenade, juste au cas où. Ça, on va le mettre, ça, on va le jeter. Le reste, on garde. Couteau de combat, on va le changer tant qu'on y est, vu qu'on en a plusieurs. On va recharger ça. N'a plus trop de balles de mitraille. J'ai l'impression qu'elle fait moins de dégâts sans l'augmentation. Mais bon, on a des problèmes de place. Pour avoir un petit goût d'anthème. Ça c'est moche ça. C'est très très moche de dire ça. Ça me fait mal à mon cœur en plus. Ça me fait extrêmement mal. Alors.
Tetris 1 carré de carré. Et après, c'était quoi? J'ai oublié ça. Là, deux petits carrés. Wow! Concentration. Allez, Tetris 1 carré de carré. Qu'est-ce que... Pourquoi j'arrive pas à me rappeler? Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau qui marche pas? Ok, alors, le téléphone... J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas. Le cerveau qui veut pas, et qui veut pas se rappeler là. Je sais pas pourquoi. Alors. C'est gros ou c'est le petit ça? Celui-là? Non, je crois que c'est celui-là. Là-bas, ben, catastrophe. Je regrette juste que sur Anthem, l'armure que tu lootes soit que du skin sans stats. C'est Anthem qui me perturbe. Mais ouais! On dit du mal d'Anthem. Mode manuel activé. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. Ça va être trop là. Je pensais aimer le stop, finalement j'aime pas du tout. Trop de petites lumières partout. C'est vrai qu'il fait mal aux yeux le stop. Il fait extrêmement mal aux yeux. Ok, on va remplir. On va faire ça. Voilà. Et là, on est bon. Non, on n'est pas bon. Ok, j'ai capté. Est-ce que c'est bon? On est bon. On met celui-là dans le petit. Enfin, comme ça. Enfin, je crois. Ça va pas être suffisant. On fait la même chose.
deux doses. Attends, là c'est où? C'est où? C'est lequel qui va aller dans l'autre, dans lequel? Non, c'est pas suffisant. Le masque Ghost Survivor sera disponible. Ouais, si on arrive à passer ce puzzle. Ouais. Oh mon dieu! Ah, c'est un mode qu'ils vont rajouter. Le 15 février prochain. Oh la vache, le 15 février, attends, on a encore le temps. Ok, ok, non. Là, ça va pas être suffisant. Je sais pas comment on arrive à faire un plus petit en fait. Non, c'est pas ça que je veux faire. Proposera aux joueurs de prendre les commandes d'un survivant de la catastrophe de Raccoon City et parcourir différentes zones du jeu dans lesquelles les ennemis et les esquivants seront disposés aléatoirement. Oh. Ah, ce sera comme les mercenaires en fait, je pense. Ça, c'est bien que ça soit aléatoire, ça peut être cool. Dans beaucoup de Resident Evil, j'aime bien les puzzles, mais celui-là, j'aime pas vraiment le faire, en fait. Ah, la vache. C'est ça qui est frustrant, en fait. Ouais, je pense qu'on est... Ouais, on est bon, on est bon, on est bon. C'est bon, c'est bon. Fallait juste faire un tout petit truc, là, en fait, une petite réserve. C'est chiant. Pas long en plus, c'est bien. Mon dieu. You're pretty good. Monty. Je veux jouer à Anthem. Ah, ben voilà, Monty, bien. Avec un abonnement. T'as combien d'abonnements sur la chaîne? Tiers 1. Monty, combien as-tu d'abonnements sur la chaîne? On a plusieurs. Je sais plus. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monty. Avec apparemment le premier mois d'abonnement, tiers 1. Merci beaucoup. On va aller refroidir le truc. Week-end prochain, on y jouera à Anthem. Non, c'est pas ça. Si, c'est pas vrai. Week-end prochain. Encore la démo. Et on aura sûrement les 4 javelins, je pense, cette fois. Directement. Et notre progression sera débloquée déjà. On sera déjà niveau 15. Si on était niveau 15, c'est pas là. C'est à droite. Moi, j'ai trouvé le mien, Colosse. Franchement, je suis tellement dans le Colosse que j'ai pas envie de... Enfin, ça m'attire pas de jouer les autres, honnêtement. Ça m'attire même pas de tester les autres, en fait.
Je kiffe vraiment le colosse. En plus, j'ai débloqué le lance-flamme. Donc honnêtement... Colosse. J'aime bien les gameplays de tout sauf le Storm. Ouais, le Storm c'est... Ah, c'est le mec qui t'aveugle. C'est pas autre chose. Tu peux rester pas mal en l'air de ce que j'ai vu. Tu fais des pouvoirs surtout. Tu utilises pas trop tes armes en fait. De ce que j'ai vu. T'as des habilités qui font extrêmement mal. Qu'est-ce que j'aime cette machine. Merci petit robot. Merci petit bras. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Herbicide. Ça aussi c'est pas mal, ça laisse du sang partout hein, quand ils sont en train de ramper. J'avais pas vu, hein. J'avais pas vu ça, hein. C'est vraiment bien fait. Hein. On a l'herbicide, ben on remonte. Hein. On remonte. Du coup, je dirais à l'endroit où Léon y récupère le virus G, bah, on aura sûrement le vaccin pour Sherry, du coup. C'est un peu débile, quand même. Je suis pas super fan de comment ils ont fait ça. Attends, c'est par où, c'est à droite. Voilà. Pulvérisation de solution en cours. Ça, c'est ce que j'appelle désherber. Alerte. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Vos actions ont été enregistrées et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Pour récupérer le niveau 3. Oh la vache. Maintenant on fait quoi? On va là? Quoi? On va recharger le truc. Le taser. Ouais, en gros faut les taser et partir. C'est un peu... Hein. Pas de top. Voilà, 7. On en a plus de réserve. On peut faire des balles. On peut faire plein de balles.
Bah, le problème, c'est qu'il y a des zones où on repasse à chaque fois. Donc s'ils se relèvent, il faut les taser à chaque fois. Qu'ils crèvent jamais les trucs, c'est un peu la merde. Bon, je suis toujours à dire que c'est quand même mieux avec, avec Léon. Le lance-flamme est quand même nettement mieux. Il manque. Le lance-flamme manque. Antiviral. AWS. Ça c'est fun à faire. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça fun à faire. On va regarder la cassette. C'est la même cassette, on va voir. On l'a pas si c'est la même. Ouais, non, c'est la même. Ah, on va peut-être devoir amener Sherry ici, non? Sans raison. On va sauvegarder sans raison. J'ai rien dit. On va pas sauvegarder parce qu'on peut pas. On va devoir combattre Berkin là, non? Je suis en train de me dire qu'on devrait créer que des grenades acides et feu. Enfin, feu on peut pas, mais je prends toutes les feux et les acides en fait et j'utilise que lance-grenade. Poudre noire. Combien? Poudre noire et blanche pour faire des grenades acides. Je vais voir, ça en fait combien? 5. On en a fait 6. Oh, il y aurait un système d'expérience. Ouais. On a fait 6. Deux fois. Maintenant, on en fait 6. Est-ce qu'il y aurait un système d'expérience comme dans le 3?
Point d'interrogation ? Aucune idée. Aucune idée. Comme ça. Ok. Ok. Donc grenade, lance-grenade en arme principale. Ça en deuxième. On prend pas les balles en plus, ça sert à rien, on en a pas assez. On prend le couteau, on prend deux grenades. On va peut-être prendre plus de soins. Et après il y a les objets là-bas. Mais ce qui est embêtant en fait, c'est qu'on a tellement d'armes différentes, on sait pas ce qu'on va trouver vraiment là-bas. S'il faut, c'est des balles pour le quick draw, donc il faudrait le quick draw sur nous. S'il faut, c'est des balles pour la mitraillette, donc il faudrait la mitraillette sur nous. Ça, c'est un peu relou, par contre. Ça, c'est extrêmement chiant. Et on va prendre ça. Okay. Ah, là, on est bien. On va prendre une troisième grenade si on en a. Rien que ce bruit de sortir la grenade en fait, du lance-grenade, ça me rappelle Terminator. Ah, ça c'est les sujets. Floop. Ouais, le floop, c'est ça. C'est Terminator. Ouais, dans le 2, quand il est il y a la police qui attaque. Non, il a un lance-grenade à bariller. Enfin bref, ça, floop. Le floop. J'aime bien le floop. Voilà. J'aime bien le floop. Qu'est-ce que je viens de prendre? T'as l'intervalle dans le building, ouais. Cette scène était vraiment cool. Bon. On sauvegarde maintenant. On sauvegarde maintenant. De toute façon, on peut passer les cinématiques. C'est pas grave. On est tellement proche de la fin, mais je mets du temps parce qu'à chaque fois, je suis occupé dans l'inventaire. Quoi. C'est abusé. Il avait des grenades. J'ai pas le truc. Merde. Lacrymo, je crois. Ah, le pendentif. Attends un peu. Ok. Bingo. Je l'ai. Ouais, enfin, donc c'est ça. L'agent antiviral. Faut que je retourne voir Chéri. Un peu bof, putain, c'est exactement les mêmes endroits tout ça, ils ont juste changé les objets. Ah, ça me perturbe ça. Enfin bref. Bénissons-en.
quoi, ce monstre? C'était mon mari. J'ai créé ce virus! William! J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu. C'était votre mari. À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Et chérie, dans tout ça, comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sang? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. C'est pas une raison pour la laisser. J'aime bien parce qu'elle a fini sa phrase. Alors que y avait William qui tenait à net, quoi. Faisa, bienvenue. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ok, on passe. J'adore cette musique. C'est encore du car... Putain, mais il y a que de ça. Le cartouche à aiguille. On a rien, y a rien qu'on peut utiliser à part les grenades. Donc. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme ces grenades. Hein. Ça aussi. Dans cette arène. Ok, ça a explosé derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait?
Ok, il aime pas les flous. Ça va. Ça. On peut pas. Non, on peut pas faire ça. J'utilise vraiment le lance-grenade parce que... Parce que c'est le plus pratique, en fait. Déjà que le lance-grenade prend beaucoup de place. Mais on a plein de grenades et c'est tout, quoi. Après, avoir 3000 différentes armes, là, entre le Uzi, le revolver, machin, ça c'est un peu relou, je trouve. Okay, qu'est-ce qui nous manque ? Ascenseur de service opérationnel. Qui va nettoyer tout ce bordel après ? Umbrella et ses nettoyeurs pro. Ah, on l'a vu le nettoyeur. Il s'est pris. Il s'est fait couper en deux le nettoyeur. Et après, les nettoyeurs d'Umbrella, pareil. Genre Hunk et compagnie. Enfin non, Hunk est toujours vivant. Ok, cool. Je vais tout récupérer. Tada! Tadadada! Attends, tu veux que j'aille où? Là? Ah, il faut retourner. Voilà, faut retourner voir Sherry. On va faire encore le tri. Ça, je crois qu'on en a plus besoin. Allez, grenade. Les mitrailleurs, on va pas les prendre, on va prendre ça. On va prendre le flingue, le pistolet. Le LS, LL, LS, LS. Comme ça. Comme ça. Quand j'entends Umbrella, j'ai la chanson de Rihanna dans la tête. Pourquoi je joue à Tetris? Tac tac, on a trop de trucs. On fait des balles 9 mm, genre pour les zombies normaux. Je suis en train de me faire chier, je pense. Pas grand chose. Bon bah voilà. Bien, on est surchargé, c'est cool.
Snake, il te faut la carte accès niveau 3. Sherry. Elle était où, Sherry? Sherry. Metal Gear. Et c'est là qu'elle devient un zombie et qu'elle bouffe sa fille. Hey. Tu as réussi. Maman a besoin d'aide. Annette? Chérie. Comment tu te sens? Ça va. Mais je m'inquiète pour toi. Maman ? Je dois voir le moniteur. Oh Dieu merci. Chérie va s'en sortir ? Elle sera faible encore un moment, mais... Oui. Elle est guérie du virus G. T'as entendu ? Elle a été attaquée par ce monstre. Non! T'en fais pas pour moi. Emmène ma fille en lieu sûr. Pardonne-moi, chérie. Pour tout ça. Ta vie est tout ce qui importe. On peut pas la laisser ici. C'est vrai, on peut pas. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Ça veut dire quoi? C'est le code d'autodestruction. Il s'active si le virus quitte le labo. Claire. Sauve ma fille. Non. Chérie. Il faut dire au revoir à ta maman. Allez, dis-lui au revoir. S'il te plaît. Écoute. Elle t'aimait, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aille. Allez. J'ai raison, ta veste. J'ai de la chance de t'avoir. On parlera de tout ça plus tard. Il faut se dépêcher. Allez. Encore une fois, je veux pas être mauvaise langue. Je veux vraiment pas être mauvaise langue. Mais le fait que Léon... et retirer le virus, ça déclenche l'autodestruction. Mais vu qu'on a fait le premier scénario, ça a aucun sens. Parce que le virus était exactement à l'endroit où il y avait l'antivirus, en fait. Enfin, on va dire que Léon vient juste de passer devant la porte, il a pas ouvert la porte, et il a pris le virus, enfin voilà, on l'a pas vu, quoi. C'est frustrant, quand même.
Chérie, tu peux marcher plus vite ? Oui. Je veux pas te presser, mais on doit y aller. C'est frustrant quand même, non ? Ce problème de... d'histoire. J'ai envie de les virer en fait, les 9mm. J'ai l'impression qu'elles vont servir à strictement à rien. On va sauvegarder. Qu'il est con ce Léon, oui. Je suis d'accord.